tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Si vous aimez les films, les dessins animés pour vos enfants et vice-versa pour la suite, n'hésitez pas à partager la vidéo à la fin du direct ou vous bien vous abonner. Voilà, il faudra se rendre surtout sur l'App Store, ici, à l'onglet Recherche. Vous tapez CB Only. Voilà, c'est le premier d'en haut. Hop là, ici. Ok, téléchargement. Pour télécharger, il faudra un compte App Store, identifiant gratuit. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai réalisée il y a un petit moment de ça. Ouvrir. Ok, refuser, ça on s'en fout, une notification. Et puis maintenant, je me retrouve avec une panoplie de films ici. Nous allons prendre le premier, par exemple, sur lecture, en bas, et on va laisser faire la vidéo se dérouler. Voilà. Là, nous sommes en direct. Voilà pour ceci, là, c'est vraiment super. Pour les personnes qui ont un iPad, c'est plus grand, c'est quand même plus grand. Là, je suis avec mon iPhone S6. Voilà. Et puis, aux trois barrettes qui se trouvent en haut à gauche, je clique dessus. J'ai les nouveaux films qui ont été ajoutés. Et puis, si je reclique dessus, j'ai aussi TV. Les séries de télévision, mais le seul problème, ça parle en anglais. Ça, pour nous, français, c'est un petit peu dommage. Voilà, Cartoons. Voilà là, ce qu'il faut, hein, Tortue Ninja, pour les enfants. Voilà, play. On va prendre quelques petites secondes encore. Voilà, nous sommes arrivés pour ceci. Et puis, le film, le dessin animé commence à avancer tout doucement. Voilà, il dure quand même 23 2 minutes 45 pour ceci. Alors, on peut avancer aussi. Ok. Et puis pour revenir, vous appuyez sur la flèche en haut, comme je suis en train de faire. Et ce qui se trouve là aussi, animé. Animé, vous allez voir Dragon Ball Z, Naruto et d'autres dessins animés qui se suivent. Que vous allez voir par la suite au moment que vous allez regarder. Voilà. Le truc, ce qui est bien, pour les personnes qui veulent installer Playbox, vous n'avez pas besoin. Vous cliquez en haut là, et vous êtes carrément dans Playbox, sans avoir besoin d'installer l'application. Ok, vous cliquez dessus, ici, même chose, là, streaming pour regarder. Là aussi, il faudra encore patienter quelques secondes. Après, là, la queue du 360p, une image, on va dire, entre guillemets, d'une mauvaise qualité. Mais c'est toujours ça de regarder. Voilà. Et puis là, pour revenir ici, vous pouvez aller là. Voilà, vous avez tout pas mal de films ici. Mais la langue reste toujours en anglais. Voilà. Et puis pour ça, c'est tout. J'ai fait un petit peu le tour dans l'application. Pour regarder, c'est très simple. Vous pouvez toujours mettre vos films en favoris, les news, tout ça, et les réglages qui se trouvent de ce système-là. Voilà. Ici, vous pouvez changer le bandeau bleu, vert, pour ça. Et puis la langue. Ah bah, là, ils ont mis en français. Ah, ça, c'est ce qu'il n'y avait pas auparavant dans Playbox. Vous mettez en français ici. Et je crois bien une chose, si je reviens vers Playbox,
Ça doit être en français, je crois. En espagnol. Ça en haut, c'est écrit toujours en anglais. Je sais pas pourquoi. Après, moi, je vous laisserai faire surtout pour que vous regardiez si la langue a été bien mise en français. Là, je peux pas écouter, je suis en train d'enregistrer, ça ne marche pas du tout pour ça. Mais c'est toujours agréable de comprendre sa langue d'origine. Voilà, on a le français ici sur Playbox. Voilà, je pense que j'ai fait le tour cette fois-ci pour de bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en vous remerciant. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, ciao à tous!